C'est Julien NRY ou Julien Ry, vous m'appelez comme vous voulez, pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 multijoueurs. On va faire une course de camion sur serveur EU2 Free Roam. Et je suis en compagnie de Trucker 88320 et de Kevin LCM23. Salut tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien pour cette course. Bien, ouais. Je sais que on a eu du mal à se connecter quand même sur ce serveur. C'était assez difficile. Donc je vais dire un peu les règles de cette course. Alors, déjà, il faut programmer son GPS pour Torino. C'est là la ligne d'arrivée en fait. Torino. La ligne d'arrivée, c'est la réparation de Torino. Ouais. Putain, il y a une sacrée route quand même. Ensuite, alors, à Mannheim, après le GPS vous demande de passer par une petite route qui va à Strasbourg. Il faut pas passer par là. Il faut continuer sur l'autoroute jusqu'à Stuttgart. Puis ensuite, après, tourner à droite jusqu'à Zurich. Alors, j'espère que vous avez compris. Attends. Je cherche Stuttgart. Ah ouais, d'accord. Donc après Mannheim, après ouais, il dit de tourner par la route voilà. Pour aller à Strasbourg. Donc donc à Mannheim, on continue tout droit voilà. Et après Stuttgart, d'accord. Ouais, et après on prend l'autoroute toujours en direction de Zurich. Zurich et après La petite route. Torino. On va finir sur de la petite route. Okay. Ah oui, autre chose aussi. Oula. La petite route là, c'est ouais. Il a G27. Alors autre chose, alors à dire pas de temps mort pour prendre de l'essence par exemple ou pour réparer, voilà. Oula. En tout cas, on sera obligé de ouais. Prendre de l'essence à un moment ou à un autre. Voilà. Ouais. Parce que là, ouais, là, je suis quand même. Voilà. J'ai et bon, sauf uniquement le temps mort apparaît uniquement si il y a. Si le serveur il se déconnecte tout seul par exemple. Okay. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Voilà. Oui. Voilà. Je suis prêt. Donc dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est parti. Wow. Et on commence à sortir de Kiel. Vous voyez la guerre ou pas? Parce que je suis en train de télécharger le Charisma mode là. Ah ouais, aussi les feux rouges et les radars ça compte pas, ça on s'en fout. Okay. Mais juste que j'ai pas envie de voir, c'est des gens qui roulent en contresens, là non. Bon, j'ai juste un problème, je suis déjà à 150 en fait. 160, ouais. Ah moi je suis à 150 aussi. Donc voilà. Et bon, pas de contresens, voilà. J'allume mes pleins phares parce que je vois un peu rien. Et pas de triche aussi, hein, parce qu'il y a des techniques de triche que je ne vais pas citer ici. Alors, donc t'as dit un manet, voilà. Faut continuer sur l'autoroute. Et bah, j'ai de l'espace, hein. Je crois en fait c'est à cause de nos connexions, je pense, ça tient pas. Ouais, là je te vois friser au bout. Je sais pas, je te vois bouger de... Je sais pas, tu roules pas en fait, j'ai l'impression que tu fais des téléportations. Oula, tu te renverses. Ah là là. Ouah, non, moi aussi je me suis cogné. Oh là là, c'est violent. Allez, fonce sur la tête. Allez, fonce mon Volvo. Ah ouais, faut bien maîtriser son camion.
Ah ouais, non mais là j'étais en train de regarder le GPS, j'ai pas fait gaffe. Putain. Ça va, à peine accéléré, je suis déjà à 150. À 150. Ouais, moi je suis à 150. Ah, tu t'éloignes. L'erreur qui coûte cher. Attends, je repasse en 11ème. Allez, 12ème. Ah, ça va foncer là. On va dire que j'ai un petit avantage. C'est bon, je rattrape déjà. Non, t'as quand même un peu moins, je sais pas, t'as 500 mètres quand même. Ah ouais, je vous ai vu sur la carte à un moment et après vous êtes reparti. Tu sais ce que j'ai freiné, ce qu'il y a du virage. Ah, je suis à 165 et j'arrive pas à dépasser cette vitesse. Ah, t'as un Scania. Ouais. 168. C'est bon, je vous vois devant. Ah, tu viens de disparaître et tu réapparais. Ça s'en va et ça revient. D'ailleurs, j'ai. Moi, je vois vos phares. D'ailleurs, j'ai fait aussi une proposition d'amélioration de ce serveur aux admins. J'ai demandé en fait de désactiver les amendes parce que ça sert à rien. Tu parles, ils s'en occupent plus maintenant du 2. C'est le 1 et le 3 principal et l'US1 aussi. Enfin bon, j'ai déjà vu les admins rouler sur le EU2. Ouais, et j'ai vu l'admin possible, vodka ça. Faire un contresens aussi. Funny Bird sur le serveur 1, lors du convoi de Goodrox, j'étais avec lui derrière. Il se trompe de route, ouais. Moi comme un con, je le suis. Donc, du coup, on a dû faire des marches arrière sur l'autoroute avec l'admin. Bon, ça va. Il y a des gens qui sont arrivés, donc j'ai dû me mettre en parallèle de la route pour bloquer le passage pour que Funny Bird. Ouais, je me demande ce qu'ils voilà. Ils ont réagi, les personnes. Ils ont dit waouh, un admin qui fait une marche arrière. Waouh, il doit pas être admin. Bon, c'était exceptionnel, ouais. Il y avait le convoi. Enfin, moi, j'y étais pas. Enfin, je pouvais pas y être en fait. Ouais, j'étais aussi sur. Il y a aussi ETS. Ouais, Thomas, si, j'ai regardé. Ouais. C'est vachement bien ça, punaise. Je me voyais sur un dessus, puis c'est vachement précis quoi. Ça. Il y a des petits décalages, ouais. Mais c'est précis quoi. Bon, c'est pas tout, mais là, le Scania rouge, je le rattrape de lui. Non, mais j'ai plus de 12ème en fait. Ah, t'as plus de 12ème? Ah, d'accord. Il y a problème là. Moi en fait j'ai pas eu de dégâts tout à l'heure. Il y a la grille, j'ai foncé dedans en fait. Heureusement qu'on est sur lui. Ah, je suis à 171. Oh non, il y a une bretelle. Là on doit bien ralentir. Il faut continuer tout droit. Oh, moi sur cette bretelle là je peux la passer à 110. Oh là là, je descends à 60. Oh putain, je suis à 175. Ah, tu te rapproches. Oh, je suis descendu à 80, c'est pas possible. Attends, par contre, j'ai fait un coup de poing. Ah, c'est bon, je reprends, j'accélère, je suis à 115. Ah non, il y a encore une autre bretelle, faut encore tourner à droite. Faut tourner à droite en direction de Hanovre. Ouais, Hanover, Erfurt et Kassel. Qui peut lâcher un Scania? Alors, ouais, d'accord. Donc là, on tourne là. Non! Oh, je me prends le panneau! Oh là là, 7%. Oh, je me prends le lampadaire en même temps. Et voilà. 11%. Moi j'ai 6% sur le camion. Ça veut dire on n'a pas de remorque. Donc, c'est forcément sur le camion. Oh putain, trop ouais, j'ai eu ça. Et c'est chaud. Allez, là c'est que de la ligne droite. Ça te dit d'entendre au moment où t'as rôné. Là je fais bien rôner à la 11ème. Là je passe à 12ème. Eh, je sais pas, je me mets à laguer. Putain, ouais, je vois tous faire des pas, c'est pas des rollbacks, mais en fait, vous spawnez quoi. Putain, j'ai encore manqué de temps depuis tout à l'heure. Bon, il y casse un petit giro. Ah non, les giro, non, ça va nous faire laguer encore plus. T'as tracker, en fait, des fois j'ai l'impression de le doubler, et en fait, non, il avance d'un coup, boum. Ça me saoule. Oh là là, moi aussi, ça va. Je double un peu. Eh oui, je suis à 60. Non mais ça c'est... Ça c'est... Ouais, vivement qu'il répare. Hmm. Je suis à 165.
170. Ouais, mais tu me dis pas souvent pas. Et encore un radar, mais il y a des radars partout en Allemagne, c'est pas possible. Ah non, mais en vrai, c'est ça. Oh là là. Oh, allez, hop, j'arrête. Ouais, bah là, moi, franchement, là, heureusement que j'avais le G27. Ouah, moi, j'ai ralenti à 150, hein. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Allez. Allez, on s'enfonce. J'ai fait la technique de Rams 59 mais elle a pas marché là par contre. Ah tiens, quelqu'un dans l'autre sens. Allez, on klaxonne, on dit bonjour. On dit bonjour. Tu es dans une course, on klaxonne. C'est une course de camion. T'as heureusement qu'il y a 3 voies là, parce que tout à l'heure là, par contre, genre, ouais, non, mais le cas, ce sera sur la route de montagne. Là, c'est mort. Ah là, par contre, là, je vais aller au mollo. Et par contre, dans les virages, pour aller plus vite. Allez. Je suis déjà arrivé à l'échangeur pour peu avant Kassel, là. Ouais, ouais, je te vois, t'es juste au moins, en fait, pour moi. Hein. Et je repasse à 168. Je suis à 170. 175. Allez, un petit Volvo. Fonce. Oh non non non. Oh, je me prends la barrière. Oh là là, 33%. Et voilà, évidemment, il en profite. Bon, ça va, mon camion il est résistant là. Il peut, il peut encore rouler quelques kilomètres. Moi, j'ai réparé, je sais que ça va. 10% moi. Et on a passé Kassel. On a des 30. Ah ouais, 30 c'est un peu dur. Ah ouais, t'as même plus de 12ème, je savais pas si t'as une 11ème. Non, c'est à partir de 60 quoi. Oh non, moi non plus j'ai plus de 12ème là, je suis bloqué à 148. Oh la vache, 170 en 12ème. Moi aussi. Et ce virage, il est dangereux. Et voilà, problème de moteur, ça commence. Bon, allez, je vais réparer la prochaine ville, c'est pas grave. C'est pas grave si on va perdre du temps. Pour plus avoir l'accident, acheter le G27. Par contre, là, il faut tourner, ouais, faut tourner à droite. Ouais. Là, je sais plus. Tourner à droite en direction de. J'arrive pas à lire la ville à cause des phares. Ouais, voilà. Frankfurt. Je crois que c'est ça. Frankfurt, Mannheim, Hanover. Ouais, c'est ça. Oh non, il y a encore une autre bretelle. Putain, je suis renversé. Là, je passe à la bretelle à 148 tranquille. Ou pas. Oh, si ça marche. Oh, t'es renversé. Ah, c'est dur. J'ai ah bah ouais, bah tu devras réparer à la prochaine ville ou tu peux aussi prendre une sauvegarde automatique antérieure. Ça marche aussi. T'inquiète pas. Oh putain, je suis vachement. Oh la vache, je suis où là? T'es où? Oh la vache, où je suis? Ah, ça fait mal. Ah bah oui, c'est vrai, la sauvegarde automatique ça. Comme mon Archite, c'est vrai. En fait, je crois que t'aurais dû faire F7 hein, pour arriver à Kassel. Ça aurait été plein de temps. Ouais. Donc, comme toi, t'es à 170 et nous, on est désavantagés. Parce que là, on a. Là, la 12ème, elle a disparu. Non, mais Trucker, là, il est parti réparer son camion. Ah non, c'est bon, je suis sur l'autoroute. Ouais, faut que tu l'as réparé ton camion. Ah, moi, je vais le réparer après. Ouais. Je vais le réparer à Francfort. Ah, je repasse. Ah non, problème de moteur. Oh là là. Bon, je tombe à 120. Bon, c'est bon. Ça va faire mal. Je suis toujours à 160 depuis tout à l'heure. En fait, j'ai vu aux dernières minutes en fait, que ça tournait vraiment. Et j'avais qu'une main sur le G27, donc du coup. Encore une autre bretelle. Alors, ensuite, après, il faut prendre la direction de Francfort. Il faut continuer tout droit en direction de Francfort. Frankfurt and Main. Francfort sur le Main, c'est pareil. Là, j'arrive au puissant virage.
utilise un radar. Là, j'ai l'impression de pas avancer quoi. Ah bon, non plus. Je suis à 150, me fait chier. Moi je suis à 146 là et je vais arriver à Francfort, je vais réparer et après je vais repartir. Et là vous allez en profiter pour me dépasser. Ben moi déjà pour vous rattraper. Ah, je vais dans la merde. Hein. Là faut que je joue tout sur le petit route. Hein. Si vous crachez dans genre la route, ça m'arrangerait. Oh là là, la bretelle pour aller à Francfort elle est petite. Bon ça va, je me suis pas renversé, je suis tombé à 80. Oh non, je prends la barrière. Ah non, c'est bon. Attends, c'est la première... c'est... Super. C'est la première fois que je regarde autant mon compteur de vitesse. Moi. Punaise, le camion, je l'ai eu avant-hier. Il a déjà traîné. Moi, je sais pas. Je l'ai depuis archi longtemps. Il vient de dépasser les 49 900. Il va bientôt arriver aux 50 000. Ah bah. T'as vu mon pote de la Texaco, il est à 333. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, là, il l'a passé depuis longtemps. Oula. Et j'ai eu un freeze. Parce qu'en fait, il y a des gens dans la ville de Francfort, ok. Allez, là, je suis à 130 dans la ville et la freinage plus. Et je ne prends pas le feu tricolore, super. Là, je suis à fond, hein. Je me suis jamais content de continuer aussi bien. Donc là, vous êtes où en fait? Moi, je suis en dessous de Cassel. Okay. Moi, je suis dans la ville de Francfort. Oui, moi, je suis à Cassel, moi, donc voilà. Putain, je pense que je vous aurais déjà rattrapé si je me suis TPG sur FC. Ouais, c'est vrai. Allez, on va ressortir de Francfort. Oh non, 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 non. Bah, je vais. Je vais arriver à ah la ouais. Casser la gueule. Ah moi j'ai déjà dépassé. T'as choisi 70 là, hein. Faut que je ralentisse. Hop, je passe la 11e. Donc là c'est le dernière vidéo sur Euro Truck multijoueur pour 2014. C'est la première course de camion. Oh non, je glisse, je vais me prendre 4%. Ah Trucker, tu es au-dessus de moi. Vous êtes pas mal loin. Ça va, je reprends l'autoroute là. Mais juste avant en fait j'ai glissé, je sais pas pourquoi. Et je me suis pris 4%. On va entendre l'autoroute et là on va réaccélérer très vite. J'arrive à une ah ouais, là il faut qu'on suive tout droit. Bah, en fait on se rapproche. Il est sensible. Tu mets la sensibilité du 27 au maximum, au minimum. Non, au maximum. Et encore un radar, mais c'est bien. Hein. Là, on s'approche de Mannheim. Faut continuer tout droit, en direction de Stuttgart. Yeah, je suis à 172. Ouais, j'ai 1000 de ping, je sais pas pourquoi. Je suis à 70. Ah, c'est bon. J'ai retrouvé 45 de ping. Oh. C'est bon, je suis arrivé à la première sortie de Mannheim, ça va aller vite. Oh lolo. Oh non, il se met à pleuvoir. Oh, il se met à neiger. Donc, n'oubliez pas,
au niveau de la sortie de Mannheim, le GPS vous demande d'aller à droite. Et ben, il faut pas aller à droite, il faut continuer tout droit. D'accord. Bah là, j'ai Francfort à gauche de moi. Bah, toujours, toujours, toujours tout droit. Je suis à la sortie où tu disais que c'était serré. Ouais, je vois ça aussi, je vois ça. Il est en train de galérer, je parie. Comme par hasard, moi je commence à jouer, il commence à jouer. Faut que je lui dise qu'il faut qu'on passe une partie ensemble. Allez, je suis dans un tunnel, allez, on va retirer les essuie-glaces, comme ça je vais m'enlinguer. C'est que t'as pas un PC puissant, toi, non? Enfin, on va dire... j'ai un PC puissant pour un ordi portable, mais sinon, non. Vas-y, j'ai déjà atteint la réserve de carburant, mais c'est pas possible. Et un virage. Voilà, il était violent celui-là. Donc, au niveau du croisement avec Stuttgart, là, entre les quatre autoroutes, faut tourner à droite. J'ai mis 425 de ping, c'est pas possible. Oh là là, j'ai pas vu la bretelle. Non, 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 non. Non, non, non. Oh là là, je me suis renversé. Oh, qu'est-ce que je fais? Ouais, je fais une roulade. 11%, bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Vous êtes encore là? Non, je pense que je vous entends plus en fait. Je sais pas ça. Peut-être ça a des coups. Ok, je me suis couché. Il me reste 200 km d'essence. Là, je vais pas aller loin. Faut vraiment que je trouve une station. Oh non, passe à deux voies. Youpi, une station service. Oh non, il me reste plus 80 km d'autonomie d'essence. Je crois que je vais tomber en panne au milieu de l'autoroute. Ça va pas être bon, ça. Oh non, plus j'ai plus de 12e. Oh. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Est-ce que je vais tomber en panne au milieu de l'autoroute? Non! Je suis en panne! Sur la bretelle! Oh non! Ok. Kevin LCM23 vient de couper son micro parce que je crois que son téléphone il va sonner. Mais je suis en panne d'essence. Juste avant Zurich, c'est pas possible ça. F7.
Stuttgart, t'es proche de quelle ville? Stuttgart. Ah. Moi, je suis à Zurich. J'étais tombé en panne tout à l'heure. Là, je vais tourner à droite, comme ça, ça est quand même un peu plus long. Allô? Ouais. Ah, j'ai dû partir là, j'ai pas pu faire autrement. Ah. Et t'es où maintenant? Je suis entre Francfort et Mannheim. Ah ouais, t'es loin. Et moi je suis tombé en panne en fait sur la bretelle pour accéder à la station service en plus. Et j'ai glissé et j'ai pas mal de dégâts. Et là j'ai fait F7, je suis à Zurich. De toute façon, c'est foutu pour moi parce que vu comme je suis loin. Ouais. C'est pas grave, je vous attends à l'arrivée. Oh non, je suis encore une glissade, c'est pas possible. Elle est 9%. Il n'y a pas de station service sur cette autoroute ou quoi? Non, faut pas que je reverse. Yes. Ça, il me reversait. Je suis arrivé à Berne, et vous? Je peux pas te dire. Je suis sur la route, je sais. Putain, là je suis à une sortie là entre Strasbourg et Stuttgart. Ah ouais. Moi je suis déjà à Berne. Je suis loin de vous. Bon, là faut que je prenne de l'essence sinon j'ai encore tombé dans panne sur la route de montagne. Bon, là je viens de trouver une station service, ça va être bien, mais je suis encore en train de glisser. T'as une consommation d'essence réaliste ou pas? Je sais même pas si j'ai mis en fait. Je pense que bah vu comme tu prends de l'essence, ouais t'as la consommation réaliste. Oh, putain ça neige. Non mais parce que aussi, alors apparemment lorsqu'on roule vite, plus on roule vite, plus on utilise de l'essence, enfin c'est logique aussi. Ah oui. Tu vois parce qu'en fait, je sais pas, je faisais même pas 1 km et ça usait je crois 2-3 km.
dans les sens. Par contre, moi, comme je vais vite, la neige, elle se colle même pas les en pare-brise. Je passe à 70. C'est une route de neige. Oh là là, là. J'ai encore connu. Ouais, faut que je sorte à son service, prendre de l'essence, peut-être. Donc, je peux vous dire un truc. Après, dès que vous avez quitté l'Allemagne, l'autoroute passe à une voie. Et puis ensuite, après, faut tourner à droite en direction de Zurich. Hmm? Ensuite. Oui. Bah, ensuite, là, vous, après avoir quitté l'Allemagne, vous arrivez en Suisse. Et l'autoroute passe à une voie. Et après, il faut tourner à droite. Oui. En direction de Zurich. Non, c'est juste pour vous dire, oui, au cas où, si vous vous perdez. Hein. Ouais, j'arrive à Zurich, là. J'ai Zurich juste en face de moi. J'arrive à Berne. Et aussi, à Berne, je vous conseille de prendre la deuxième sortie, pas la première. Et là, je prends de l'essence. Hein. Là j'arrive en Suisse, puis ça tombe à fond la neige. Bah c'est normal aussi, c'est la Suisse. C'est bon, je viens de prendre mon essence, allez. Oh, ça va, ça va, c'est une petite route. Oh, 630. Non, pas glissé. Julien, moi, je vais peut-être devoir y aller. Ah. Je suis à Zurich, là, mais... Je me suis trompé de route. En plus. Là, c'est bon. Là, je suis sur la bonne route, mais je vais devoir y aller. Prochaine station service, je me gare. Ok. Putain, j'étais à la sortie, hein, punaise. Gros virage, oulala, c'est dangereux ça. Il me reste 250 km. 470. 400. Et bah je prends les virages à 80, même moins. Là vous allez pouvoir me rattraper. Non, non. Moi là ça neige. Vache. Je me suis trompé de route. Oh non. Il me reste 210 km mais il y a beaucoup de virages. J'arrive pas à dépasser 90. Enfin si là j'arrive mais après je suis obligé de freiner. Surtout que la route elle est limitée à 50. Ouf, un tunnel. Là, ça va être un peu surprenant quand même.
Non! Oh là là, je cogne le mur. Bon, et maintenant je cogne une barrière. Je dois y aller, mais je suis toujours en train d'essayer de vous rattraper. Je suis à 368 km de l'arrivée. Moi je suis à 188 là et en plus je viens de me cogner dans une barrière. Problème du moteur, ça commence. Sorte là, ça y est, je commence à sentir. Berne. Allez hop. Ah, t'es arrivé à Berne. Ouais. C'est bien. Je sais pas m'a rattrapé quand même. Ah ouais, dans la montagne, là, on perd beaucoup, beaucoup de temps. Surtout parce qu'en fait, si tu roules trop vite dans les virages, tu prends directement une barrière. Moi ça va dans les virages. Moi je suis plutôt doué en virage dans les campagnes, dans les montagnes Parce que que sur les lignes droites ou dangereux là sur l'autoroute. mon camion en fait il glisse hein, alors qu'il y a rien sur le sol. Ouais bah attends, t'imagines, moi j'ai la neige. Mais Il y a non, des feux oh rouges. là là, je me prends tout Putain, là. fallait que je tourne à droite, bordel de merde. 28% de dégâts. Allez, j'arrive à la frontière avec l'Italie. Bon, la plupart des dégâts que je prends, moi, c'est quand je freine, quand je me trompe de route. Ah ouais. Pourtant, il y a le GPS, non? Ouais, mais en fait, je regarde pas tellement où je me suis concentré sur la conduite. Bon, pareil, bon, comme moi je connais un peu, même si j'ai pas emprunté Allez, toute la fonce. carte, je connais en fait, mais bon. Je vais me faire pas trop mal. Ah, là, c'est la petite route, là. Ça, c'est bon. Là tu vas pouvoir me rattraper, mais j'arrive quand même à atteindre les 110 km à l'heure. Allez, je suis à 120. D'ailleurs là ça va être l'heure de la descente, hein, parce que là je viens de passer les zones de virage. J'arrive bientôt, je suis déjà en Italie, et là je vais Ouais, bientôt attends, redescendre. il me reste 78 km, laisse tomber mec. Je vais pas avoir le temps. Pensais pas que ça allait durer autant. Pourtant, si on fait ça en convoi normal, on va mettre 10 heures. Oui, je sais, mais ouais. Si ça aurait commencé à 9 h dans ce genre-là, oui, j'aurais peut-être une autre chose. Ouais, bon, à 9 h, il y aurait eu encore moins de monde. Moi, je perso, moi, je suis sur le jeu depuis 7 h, enfin, c'est l'ordi. Ah, t'es un lève-toi en fait. Ouais. Ah, ouais, comme mon Et chat. je me suis couché à 23 h quand même. Ouais, moi aussi, je suis un lève-tôt. Mais bon, le matin, je. En général, le matin, je joue pas trop. Je joue pas trop en fait. Le matin, d'abord, je vérifie mes notifs Facebook parce que j'ai toujours des choses à regarder. Surtout qu'il y a eu la news en plus du DLC Scandinavie. Hein? Il y a eu le truc du DLC Scandinavie, là, ils ont posté des photos. Oui, j'ai vu. Donc moi j'achète direct hein, quand il sort. Non! Oh là là, 33%. Je glisse encore dans un virage, mais c'est pas possible. Oh putain, je suis en train de faire un putain de roue depuis tout à l'heure là. Oh, c'était putain de géré. Enfin, trois roues? Ouais, trois roues. Parce que j'ai enlevé un essieu à l'arrière. Ouais. Putain, et ça neige en plus, hein, donc c'est voilà quoi. Ah, je suis à Bon, là, 130. J'ai atteint les 130 sur cette petite route. Ah, mais moi, 130, j'y suis depuis tout à l'heure. Allez, hop, je passe la 11e. En fait, je vois Enfin, ça je peux. glisse. Je vois ça glisse en fait lorsque je freine. En fait, lorsque je tourne, en fait, bah, Non, j'arrive mais pas à normal, tourner. faut jamais freiner. Dans les virages, tu fais patiner les roues. Mais lorsque je tourne, en fait, j'y arrive pas. Ça veut pas Ah beaucoup mais tourner. faut jamais freiner, faut vraiment, faut jamais freiner quand tu tournes le vent. Parce que sinon c'est sûr tu vas dans le fossé direct. Faut prévoir un peu avant. Comme j'ai pas fait, là, comme je viens juste de pas faire parce que je me suis carrément changé de sens. Allez hop. Ah là là, c'est bon, j'ai descendu la montagne, ça c'est terminé. Épreuve terminée.
Allez, maintenant. Bon, moi je m'arrête. Je peux pas continuer. On arrive à Iatres. Là. Bah écoute, bonne fin de course. Moi, j'ai... Ouais, merci. Bon, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bon bah, Kevin LCM23 vient de quitter la course, c'est pas grave, on est plus que deux avec Trucker. S'il est encore là. Et t'es dans la montagne aussi? Ouais. Moi je suis sur la bretelle pour accéder à Torino. Et je me prends plein de dégâts. Et j'arrive à Torino, mais pas encore à la ligne d'arrivée. Mais ça y est. Bon, moi je suis passé sur le bord de la route. Moi. T'as 25% de dégâts. Moi j'en ai 35. Et voilà, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Enfin bon. Enfin, s'il y aurait plus de monde, je pense que je serais pas premier. La prochaine fois, je vais l'organiser un après-midi. Mais bon, le problème c'est que il y a un plus grand risque de déconnexion. Bon, voilà, on a atteint la ligne d'arrivée. Une petite photo. Voilà. Bon bah c'est sur ça que s'achève cette course de camion. Bon, je suis le premier, voilà. Trucker 88320 est deuxième et Kevin SM23 il est troisième, mais bon il a quitté la course dans la montagne. Enfin sur la route de montagne. Donc c'est sur ça que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Merci à Trucker de sa participation et aussi de SCM23. Et je vous dis à la prochaine. À plus.